Bonjour à tous, ce TP sera réservé à l'étude des cookies. C'est quoi un cookie? C'est un élément de données généralement utilisé pour stocker des informations concernant l'utilisateur sur sa machine. Normalement, ils sont sous forme de paires clés-valeurs et aux développeurs de profiter des fonctionnalités proposées par ASP.NET Core pour lire le contenu de ces cookies ou bien de les créer ou bien les supprimer. Ils ont plusieurs utilisations. Une parmi ceux-ci, c'est que le serveur va envoyer au client un cookie qui contient l'ID de la session. Ce ID sera sauvegardé sur la machine du client. Donc là, on va lancer Visual Studio 2019. On va créer un nouveau projet. Au niveau des choix possibles, donc on va choisir application web ASP.NET Core Model Vue Controller MVC. On va appeler notre projet projet cookies. Donc on va sélectionner le framework cible 5.0. Donc on va garder les attributs par défaut de création de projet. Maintenant au niveau du contrôleur, donc on a le homecontrol.cs.c#. Donc on va aller au niveau de ce contrôleur et on va créer là un ensemble de fonctions qui vont nous permettre de manipuler ces cookies. Donc on va commencer par la première fonctionnalité. Donc c'est la fonction ou bien l'action nouveau cookie. Pour créer un nouveau cookie, on aura besoin, comme on a déjà indiqué là, par une paire de clés valeurs. Notre clé, on va l'appeler macookie et la valeur qu'on va lui affecter par la suite, ce sera la chaîne de caractères BenTech ProTV. On aura besoin aussi de mentionner quelques options concernant ce cookie. C'est pour ça qu'on va utiliser la classe ASP.NET Core .http. Donc on va appeler la classe CookieOptions. On va la déclarer une variable qui s'appelle OptionCookie de type CookieOptions. On va l'instancier. Ensuite, là, on peut indiquer la date d'expiration. Donc là, on va utiliser la classe DateTime. .now, donc, qui va nous donner l'heure actuelle. Et on va lui ajouter, donc, par exemple, ce cookie va expirer dans 3 jours. Donc, addDays, entre parenthèses 3. Donc, il aura comme date d'expiration dans 3 jours. Par la suite, on va appeler la classe Response. .cookies.append. Donc la fonction append, c'est la fonction qui va nous permettre de créer un nouveau cookie. Donc on va fournir la clé et la valeur et la liste des options. En fin de compte, on va retourner la view et on va donner comme paramètre index. Très bien, donc on va sauvegarder ceci, on va lancer IIS Express et on va voir l'exécution, comment elle sera. Donc là, je vais appeler Home, ensuite je vais indiquer le nom de notre action, donc nouveau cookie. Entrée, donc pour voir la cookie, on va aller vers donc inspecter, on va inspecter le contenu de la page. On va aller vers l'onglet donc application, ensuite donc la partie cookies au niveau de partie storage. Et on va remarquer là la présence de notre cookie, donc la clé et la valeur et la date d'expiration. Ainsi, notre création de notre premier cookie a réussi. Maintenant, on va voir, on va créer une deuxième action. Donc elle sera quelque chose de type public. Le type de retour, ça sera eActionResult. Et cette fois-ci, on va faire la fonction ou bien l'action lecture cookie. Lors de la lecture de la cookie, donc je vais fournir la clé et je vais récupérer la valeur. String clé donc
J'ai déclaré une variable qui s'appelle clé de type chaîne de caractères, string, et je lui ai affecté le nom ma cookie. Celle-là, c'est notre clé. Ensuite, là, je vais déclarer la variable valeur. Elle va recevoir request.cookies et entre crochets, je vais indiquer là le nom de la clé. Ensuite, je vais retourner là notre vœu index. Donc là, moi, pour vérifier le contenu de la valeur de cette clé, je vais mettre un point d'arrêt. Donc je vais appuyer à gauche là, à la ligne 42, pour arrêter l'exécution et vérifier le contenu de cette cookie. Donc là, il faut passer par Home avant. Donc Home, ensuite j'appelle l'action lecture, voilà, cookie. Et si je mets le curseur sur valeur, il m'affiche Bentech Pro TV. Et ceci, c'est la valeur de cette clé. La troisième action qu'on va voir, ce sera celle qui concerne la suppression d'une cookie. Je vais appeler cette action supprimer cookie. Elle nous retourne e-action result. On va voir là avec étape par étape. Donc on va voir trois versions de suppression et on va les étudier une à une pour voir les différences entre ceux-ci. Dans la première version, celle-là, je vais déclarer la variable clé. Elle va recevoir le nom de clé de cette cookie. Au niveau de valeur, je vais mettre une chaîne vide. Ensuite, je vais ajouter mes options. Donc rapidement, je vais copier le code que j'ai utilisé pour la création. Juste là, la modification que je vais effectuer, au niveau addDays, je vais mettre moins 1. Donc là, je vais dire, allez, que cette cookie va expirer, elle ne sera plus disponible. C'est une sorte, en fin de compte, d'écrasement de la cookie par une vide qui a expiré. Lors du test, donc j'appelle slash home slash supprimer cookie. Voilà. Je vais aller vers donc bouton droit inspecter, partie application. Comme vous remarquez là, il n'y a plus de cookie. Je vais de nouveau là recréer la cookie pour que vous voyez là la suppression. Voilà. La cookie est créée. Et si je lance la supprimer cookie, vous allez voir qu'elle va disparaître. Voilà. Ça, c'est la première manière. Y a-t-il une deuxième manière? Oui. Donc, je vais créer là une nouvelle fonction, une nouvelle action. Je vais l'appeler V2. Cette fois-ci, directement, je ne vais plus utiliser la fonction append, mais plutôt la fonction delete. Et je vais fournir comme paramètre la clé de cette cookie. Je vais supprimer tous les autres. Voilà. Je vais rafraîchir l'application, la relancer et vérifier maintenant est-ce que on a bien réussi là à supprimer la cookie ou non. Toujours, on va vers l'onglet application, la partie là storage cookies. Vous voyez là que ma cookie est présente. Slash home slash supprimer cookie v2. C'est bien, ça fonctionne. Donc jusqu'à maintenant, on a deux versions. Ou bien on fait un écrasement avec append, ou bien directement, donc on va la supprimer avec la fonctionnalité delete. Maintenant, on va voir là
Comment exploiter les cookies pour faire une petite application qui va vérifier est-ce que l'utilisateur, c'est la première fois qu'il visite notre site ou bien il a déjà visité notre site et il est en train de revenir là et de revoir le contenu de notre site. Donc pour ceci, je vais créer un cookie la première fois qu'il nous visite et je vais la sauvegarder sur la machine du client. Ensuite, je vais tester si elle est présente. C'est-à-dire, si elle est sauvegardée sur le compte, sur la machine du client, je vais dire heureux de vous revoir. Si la première fois, donc je vais lancer ou bien afficher un message de bienvenue. Donc, if not, donc point d'exclamation, c'est not, notRequest.cookies.contain, contains key. Je vais tester. Si il n'y a pas un cookie qui a la clé première requête, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau cookie. Qu'est-ce qu'il va avoir là? Je vais appeler la classe response.cookies.append. Je vais donner la clé, virgule, et la valeur de cette clé. C'est quoi la valeur? C'est datetime.now.toString. Ça veut dire que je vais sauvegarder la date de sa première connexion. Ensuite, la return content, on va afficher un message à l'utilisateur, un message de bienvenue. On va indiquer que c'est un nouveau utilisateur, c'est la première fois qu'il se connecte. Sinon, c'est-à-dire si ce n'est pas la première fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la valeur de cette clé, ça veut dire première requête, ça veut dire l'heure quand le premier utilisateur, cet utilisateur, s'est connecté la première fois à notre site. Comment je peux récupérer ceci? C'est à travers notre cookie là, qu'on a déjà créé. Et pour ceci, on va faire je vais appeler la classe datetime.parse. Ça veut dire que je vais faire un cast là de la chaîne de caractères qui est sauvegardée au niveau de la cookie, au niveau de la partie valeur. On va la rendre sous format date, datetime. Ensuite, là, on va afficher un message à l'utilisateur. On va lui dire heureux de vous revoir. Votre première visite est enregistrée le et là donc je vais entourer cette chaîne avec des guillemets. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le plus là, c'est l'opérateur de concaténation de chaîne de caractères et je vais récupérer ceci date ou bien date première requête. Et je vais lui convertir en chaîne de caractères pour que la concaténation soit possible. Normalement, on a fini comme ça. Donc, je vais essayer d'exécuter ce code et voir le résultat. Voilà, donc la première fois, il nous affiche Bienvenue sur la chaîne BenTech Pro TV, nouveau utilisateur. Si je vais rafraîchir ceci ou bien revenir une deuxième fois, donc vous voyez là, la chaîne a changé parce qu'on a déjà créé un cookie là qui sauvegarde la date time de notre première connexion. Voilà. C'est bien. Maintenant, on va tester là une troisième version de suppression de cookies et cette fois-ci, on va fournir un paramètre lors de l'appel de l'URL de l'action. On va fournir la clé. Donc là, on va utiliser le mot-clé HTTP GET.
Je vais indiquer là le chemin. Donc, home slash supprimer cookie v3. Là, c'est notre action. Ensuite, là, on va indiquer le paramètre qu'on va recevoir. Donc, on va le mettre entre accolade et on va l'appeler clé cookie. Donc, ceci, on va le mettre en paramètre au niveau de notre fonction. C'est une chaîne de caractères. Donc, on va l'appeler clé cookie. Et cette fois-ci, donc, au lieu de fournir directement la clé, donc, je vais récupérer à partir de l'URL. Bien sûr, ceci, ça va nous servir pour nous, développeurs, et non pas pour les utilisateurs finaux. Au niveau de l'inspection, donc, application, on va voir que première requête, c'est bien. Maintenant, si je vais vers le lien la route home slash supprimer cookie v3, ensuite slash la clé de la cookie, dans notre cas c'est première requête, vous voyez là que la cookie a été supprimée avec succès. Donc, dernière chose qu'on va faire, regardez si je ne fournis pas de paramètres, vous voyez qu'on a un message d'erreur, il nous dit HTTP erreur 404, ça veut dire que ce fichier est introuvable. Donc là, on va faire une petite modification au niveau de notre code, pour que si en cas d'erreur 404, on va rediriger l'application vers la page Home. Pour ceci, on va vers le fichier startup.cs. Au niveau de la fonction configure, et là on va créer un middleware personnalisé. Pour ceci, donc on va utiliser la classe app.use. Je vais lui fournir la context et next. Ce sont les delegates ou bien les middleware qui seront lancés par la suite. Donc ce middleware, il va faire un test. Si je reçois la réponse 404, le code de réponse 404, je vais faire une redirection vers la page Home. Je vais faire le test. If context.response.statuscode. Statuscode, c'est le code reçu HTTP, donc le résultat de la requête. S'il est égal à 404, qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger la sortie vers la page d'accueil. Dans notre cas, context.request.path, context.request.path égale à slash home. Ensuite, on va déléguer le traitement au prochain middleware. Await next. Voilà. J'exécute ceci et je vais voir maintenant si je donne une route qui pointe vers un fichier introuvable ou bien une action introuvable. On va voir comment il va réagir le système. Comme vous voyez là, si je ne fournis pas le paramètre, on est redirigé vers la page d'accueil. Voilà. À la fin de cette vidéo, j'espère bien que vous avez assimilé les notions liées aux cookies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc la prochaine fois, on va voir comment gérer les sessions. Et ces sessions, normalement, ils vont utiliser les cookies. À bientôt.